C'est même pas qu'on n'a plus faim, c'est qu'on n'a plus envie de manger de sucre, quoi. Moi, j'ai une amie qui suit ce protocole et elle a une agence immobilière, il lui fallait ses gâteaux tous les après-midi ou son chocolat. C'était complètement dingue. Elle m'a dit, Marie, je n'y pense même plus. Je vous assure, on n'a plus envie de manger tout ce qui est glucides. On est nourri autrement. Parce qu'on est déjà en état de cétose. En 15 minutes, on est en état de cétose. Vraiment, quand vous allez prendre votre sachet, vous allez voir, ça commence la première journée. Vraiment. Ce sont tous des compléments à action rapide. Maintenant, on va regarder au niveau des témoignages. Quelle est ton expérience par rapport aux produits minceurs? Sachant que je suis une personne qui est addict au sucre, qui est très, très, très gourmande, qui a l'habitude d'avoir viennoiserie au travail le matin quand j'arrive. Et du coup, j'ai pris plusieurs compléments. Donc, j'ai pris le keto, j'ai pris le thé royal et j'ai pris un des Accelerate. Et j'ai eu la grande surprise d'avoir perdu 11 cm sur tout le corps en une semaine. Oui, 11 cm. Donc voilà, 2 cm de tour de taille, 3 cm de tour de hanche. Et là, je peux vous dire que je me suis reprise au moins 4-5 fois avec le mètre parce que je n'y croyais pas. J'ai perdu 6 cm de tour de cuisse en une semaine. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Voilà. Après, c'est vrai que le sucre, ça fait, on l'arrête, c'est vrai que ça peut faire fondre. Hein. Oui, est-ce mais on n'a plus du tout envie. Sens un manque, Amélia. C'est important que la communauté de Gwen l'entende. Est-ce que tu ressens des frustrations? Est-ce que tu ressens de la fatigue? Alors non, je ne ressens pas du tout de frustration. Ce qui est assez dingue, c'est ce que tu disais, Marie, tout à l'heure. Le keto, on ressent les effets très, très rapidement. Moi, je les ai ressentis dans l'heure qui a suivi la prise pour le keto, pour cette envie de sucre. Parce que faut le dire ce qu'il y a, quand on est habitué à manger du sucre, on en a besoin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, plus rien. Waouh, bah, merci beaucoup, Amélia. Vraiment génial. Et puis, on est content pour toi. Que ça continue. Merci à toi. La prochaine mesure, c'est demain, donc on verra. Déjà, le cran de ceinture a encore diminué, donc je pense que c'est bien parti. Ouais, génial. En tout cas, bravo. Hein. Top, top. Merci. Top. Et alors, Nadia, est-ce que tu peux nous partager ce que tu as vécu dernièrement alors? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Bonsoir tout le monde. Alors, il faut savoir que moi, de par mon grand âge par rapport à Amélia, des régimes, j'en ai fait d'état et d'état. Alors, certains ont bien marché, d'autres moins bien. Moi, j'ai aussi une addiction au sucre et particulièrement au chocolat, c'est-à-dire que je ne peux pas passer une journée sans chocolat. Et quand je dis sans chocolat, ce n'est pas juste un carré, hein, bien sûr. Hein. Et donc, je me suis lancée dans ce programme comme Amélia, quand j'ai reçu ma commande, donc ça devait être vers le 12 février. J'ai attaqué de suite, j'avais tellement hâte de le commencer. Alors, ce qui m'a beaucoup marqué dès le départ, c'est, alors pour avoir fait beaucoup de protocoles perte de poids avec de nombreux produits, d'abord ce qui m'a beaucoup plu, c'est le goût. En fait, le keto, c'est extrêmement bon. Pour référence, moi je dirais que, en fait, quand on l'ouvre, il sent très bon. Et quand je l'ai goûté, j'avais le goût du Malabar de mon enfance, donc il y a très très longtemps. Voilà, et c'est plutôt agréable quand vous vous réveillez le matin et que vous commencez par prendre ça. Voilà, il y a un petit goût sucré sans avoir de sucre. Donc moi, pour le sucre, c'était parfait. Et aussi, j'ai ressenti très très vite les effets. Je sentais au bout d'une demi-heure qu'il se passait quelque chose. Alors, je ne pouvais pas dire quoi, mais il se passait quelque chose. Et en fait, la journée est passée sans même que je pense qu'il fallait que je fasse attention à ce que j'allais manger ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, rien ne me donnait... c'est pas que j'avais pas faim, j'ai mangé normalement, mais je veux dire, rien ne m'attirait. Je pouvais aller à la boulangerie chercher du pain pour mon mari ou aller en supermarché, passer devant le rayon gâteau, chocolat et tout. Ça ne m'attirait même pas. Chose que avant, c'était pas possible. Hein. Et en plus, j'y suis allée le ventre vide.
puisque j'avais que mon petit déjeuner du matin et ça ne m'a absolument pas gênée. La journée, une pêche d'enfer. J'ai un travail assez physique et vraiment la pêche, mais à fond les ballons. Et le soir, donc, je me suis couchée. Le lendemain, rebolote. Alors, je sentais bien qu'il se passait quelque chose. J'arrivais pas à dire quoi. Et en fait, c'est au deuxième jour que mon mari m'a dit, alors mon mari avait plutôt tendance à me dire souvent, oh là là, tu sais, faudrait perdre un peu de poids, c'est pas bon pour ta santé et tout. Et là, au bout de deux jours, il m'a dit, mais tu te rends pas compte, ta silhouette est en train de se transformer. Deux jours, hein. Mm-hmm. Voilà, deux jours. Et donc, j'avais une hâte, vous pouvez pas imaginer la hâte que j'avais d'arriver à mon septième jour pour pouvoir prendre mes mesures, me peser, parce que je m'étais fait une règle d'or d'attendre bien les sept jours pour faire ça. Et en fait, je suis arrivée à 7 jours. Alors, en poids, je n'avais pas énormément perdu puisque j'avais perdu 800 grammes. Mais alors, par contre, en mensuration… Oui, 800 grammes de graisse en 7 jours, c'est bien. Mais en mensuration, c'est absolument ahurissant puisque j'ai perdu 13 cm sur tout le corps, dont 4 cm de tour de taille et de tour de hanche. 3 cm en poitrine de mémoire et 2 cm en cuisse. Je peux vous dire que le pantalon que je portais ces derniers temps, parce que je n'ai pas voulu racheter de vêtements en taille supérieure, bien que je me sentais serrée dans mes vêtements, alors mon pantalon tombait parce que mon ventre passait, je suis désolée, ce n'est pas très glamour, mais mon ventre passait par-dessus. Aujourd'hui, mon pantalon tombe parce qu'il est trop grand, en fait. Donc là, maintenant, je vais pouvoir aller faire du shopping. Wow. Et là, je suis à 15 jours, donc, puisque j'ai fait ma pesée et mes mesures ce matin. À 15 jours, je suis à 1,4 kg en moins et à 17 cm au total de perte. Wow. Et tout ça, ouais, c'est génial. Et tout ça avec une pêche, mais alors incroyable. Et sincèrement, j'ai jamais vu un programme aussi facile à suivre. Franchement, c'est d'une simplicité, comme l'a dit Marie, hein, un petit sachet le matin, qui est très facile parce qu'il est très bon. Hein. Il y a eu des produits où vraiment le goût, fallait vraiment se forcer. Les petites gélules du soir. Moi, je n'ai pas encore pris le thé royal parce que, pour des raisons qui me sont propres, je n'ai pas encore pris le thé royal, mais il va être sur ma prochaine commande, ça c'est sûr. Mais voilà, en fait, la journée, on ne pense même pas qu'on est au régime parce qu'on ne l'est pas. Ah non, on n'est pas au régime. Ce sont les effets d'un jeûne en général, parce que le corps s'auto-nourrit. En fait, le corps est en permanence en train de se nourrir de ce qui a été stocké. Donc, on a une énergie de dingue. On a plus de clarté mentale, de concentration, de réaction. Enfin, on est alerte. Et c'est juste dingue de pouvoir avoir ça avec une gélule. Avant, à 11h30, j'avais le ventre qui commençait à me gargouiller. Je commençais à avoir mal à la tête parce que quand j'ai faim, j'ai mal à la tête. Il m'est arrivé là depuis 15 jours d'être arrivé à 2h de l'après-midi et de me dire, tiens, mais j'ai pas mangé. Ouais, c'est ça. Je rentrais à la maison après le boulot, la première chose qu'il me fallait, c'était un petit goûter. Là, je rentre, il n'y a plus de goûter. Sincèrement, pour les gens qui sont addicts au sucre, c'est le programme qu'il faut. Ouais, génial. Merci beaucoup, vraiment, les filles. Merci. Merci, les filles. À travers vos expériences que vous avez vécues, donc déjà on peut voir que c'est vrai, c'est réel, et puis d'autres personnes peuvent se dire bon, il y a peut-être une solution par rapport à mes fringales dessus, parce qu'en général ces personnes elles essayent tout, elles sont frustrées, après elles baissent en énergie ou alors ça crée des conflits autour de soi, donc c'est pas cool du tout. On essaye de trouver des solutions, mais c'est pas toujours facile. Donc merci beaucoup pour vos partages. Que vous avez le lien là pour commander sur le site officiel. Moi, je suis spécialisée dans la détox et la minceur. Donc, j'ai trouvé toujours les meilleurs produits. J'ai travaillé avec des infrarouges, j'ai travaillé avec la cryoglypolyse. Donc, je prends les gens en une semaine. Et maintenant, c'est vrai que c'est plus en ligne et il fallait que je trouve des produits excellents. Vous avez mon numéro WhatsApp sous la vidéo. Régime cétogène, ce produit qui va travailler sur le régime cétogène. Nous le savons, le régime cétogène est certainement le régime le plus efficace au monde pour éliminer la masse graisseuse, pour affiner sa silhouette, mais le plus difficile à faire parce que c'est l'élimination de tous les sucres de notre alimentation et des sucres, on en trouve partout. Donc c'est très compliqué de rentrer en état de cétose. Avant de rentrer en état de cétose, il faudrait faire 15 jours stricts
sans sucre, mais aucun sucre. Donc, c'est très, très compliqué. Et si vous y arrivez, au pire des cas, vous arrivez à faire 15 jours sans sucre, vous allez obligatoirement passer par ce qu'on appelle une grippe cétogène. C'est un état de détox. Pour éviter ces désagréments, eh bien, ce chercheur et son équipe a mis au point ce produit, ce Béqueto, qui va mettre votre corps en état de cétose 45 minutes après la première prise. Votre foie va commencer à fabriquer des cétones. Ces cétones vont les puiser dans la masse graisseuse, donc dans les adipocytes, et transformer cette graisse, la liquéfier et la transformer en énergie. Donc, ça va vous donner un regain également d'énergie toute la journée. Vous allez être en pleine forme toute la journée. Plus de coups de pompe. Mais surtout, ça va aller nourrir votre cerveau. Et votre cerveau ne va plus vous réclamer de sucre. Cette graisse liquéfiée va nourrir votre cerveau. Et donc, votre cerveau ne va plus vous réclamer de sucre. Vous n'aurez plus envie de sucre. C'est très impressionnant. Ça aide vraiment. Et ça abaisse la tension artérielle. Ça aide également contre le diabète de type 2. Type 2 uniquement. Et associé au Royal Blue Tea qui est sur votre droite de l'écran. Donc, ce Royal Blue Tea qui est une tisane détoxifiante qui va détoxifier à base de fleurs de pois de papillon votre organisme, ça nettoie le sang et les organes, ça vous débarrasse des toxines, c'est excellent contre le cholestérol et régule la glycémie. À partir du moment où vous détoxifiez l'organisme, énormément de choses rentrent dans l'ordre. C'est un antioxydant hyper puissant, ça protège donc les cellules contre les radicaux libres également. C'est très bon contre le glaucome, donc les problèmes de vue. Voilà, c'est comment ça se prend. Dans un paquet, vous avez deux sachets de tisane. Vous allez me dire, mais c'est rien deux sachets. Oui, c'est pas grand-chose. Sauf que par sachet, vous faites 1,5 litre à 1,8 litre de tisane. Donc, vous faites bouillir votre eau. Vous mettez un seul sachet dans 1,8 litre d'eau bouillante et vous laissez infuser 4 à 8 heures. Donc, je vous conseille de préparer ça le soir avant d'aller vous coucher. Vous mettez votre sachet dedans, vous allez vous coucher. Le lendemain matin, votre tisane est prête pour 3 jours. Vous allez boire 1,8 litre de tisane détoxifiante durant 3 jours. Donc, dans un sachet, vous avez 6 jours de détox. C'est livré par 4 sachets, donc vous avez 28 jours de détox. Okay? Et donc, vous préparez le terrain. Parce que si les tuyaux sont bouchés, sont pleins de calcaire, l'eau a du mal à s'évacuer. Donc, si vous débouchez ces tuyaux, la tuyauterie, ça va se liquéfier. Et donc, vous allez éliminer les toxines. Rien qu'avec la tisane, déjà rien que la tisane, on perd en centimètres au niveau de l'abdomen. Mais associé au Béqueto, voilà ce que ça donne. Vous voyez, en bas à droite, c'est bien moi. J'ai perdu 16 cm de tour de ventre en l'espace de 2 mois, 9 cm de tour de poitrine, moins 6 kg sur la balance, mais surtout une énergie de dingue. Une énergie de dingue. Pas de stress, très bon sommeil. Vous voyez ? Et en haut, donc c'est mon ami André de La Réunion qui lui a perdu en 20 jours 10 cm de tour de ventre, 5 cm de tour de taille et 9 kg sur la balance. En 20 jours, c'était plus rapide que moi parce qu'il l'a fait chez lui. Comme moi, je suis très, très souvent en déplacement, c'est plus compliqué lorsque vous êtes tous les jours au restaurant. Parce qu'on peut craquer de temps en temps, vous voyez. Voici ce que ça donne également sur une de nos partenaires. Au bout d'un mois, vous voyez un peu la texture de la peau. Hein, donc, on affine vraiment la silhouette, on fond cette masse graisseuse. La masse graisseuse fond.